Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans les gens? Are we happy? Je crois que tu as bien dansé. I believe you danced really well. Comme tu as bien dansé. Because you danced really well. Laisse qu'il dise que tu as dansé pour lui. Let the God that you danced for. Aussi. Uplift you as well. Amen, amen. Amen. Que ce Dieu-là te bénisse abondamment. Je sais que bien aimé, comme Dieu-là, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. God will do something in your life. Crois-moi, mon bien aimé. Believe it. Ce n'est pas de même que tu entres. It is not the same when you enter. Sortir à ce lieu. As you will go back outside of here. Dieu est puissant. I know our God is mighty. Qui écoute la prière des enfants. Is the God that listens to the prayer of children. Que l'Éternel appelait ses enfants. Because every time the Lord was telling his children, qu'il puisse faire quelque chose dans leur vie. It was so he can do something in their life. J'ai la foi que l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. I have faith God will do something in your life. Tu es là. And it's because you're here. Tu n'es pas venu ici pour contempler l'homme de Dieu. You did not come here to contemplate the man of God. Si tu es venu ici aujourd'hui pour le matin à ça. Vraiment, mon bien-aimé, je vais te décourager encore. Because I will discourage you even more. Rentre à la maison. Go back home. Tu peux même aller de marcher là-bas au rideau. You can even go walk around town. Juste va là-bas. Go walk around town. Mais si tu es venu ici, but if you came here, c'est à cause de l'Internet. It is because of the Lord. Alors lorsque tu viens au devant de l'Internet, so when you come in front of the Lord, sache le bien aimé l'Internet là. You must know c'est that le Dieu même tomorrow, qui lave. The same God is the God who washes. Il peut te changer aussi le nom. He may also change your name. Parce qu'à chaque temps que tu te retrouves avec lui, because every time le Dieu peut changer aussi votre nom. That God can also change your name. Si on t'appelait les jours, even if they were calling you something, les jours, je crois pas, je sais pas, les jours, je crois encore. Les jours, il y avait, tu sais, le fou des Gadara. Légion. Even if you are being called a legion. Même si tu as beaucoup d'esprits. Even if you have many spirits. On te savait que tu es fou. And they knew that you were foolish. Tu te rencontres avec Jésus. But when you meet Jesus. Tu dois être saint. You need to be holy. Donc Jésus là va te délivrer. That means that Jesus will deliver you. Vraiment, je sais que l'Éternel va faire beaucoup de choses. I know the Lord will do great things in our lives. Est-ce que vous êtes dans la joie? Are you happy? Vous êtes prêt d'écouter la parole? Are you ready to listen to the word of God? Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler pour ma famille. Because I did not come to speak about my family today. Je suis venu parler pour le Seigneur Jésus. I came to speak of Jesus Christ. Je sais que Yahweh va faire beaucoup de choses dans notre vie. I know Yahweh will do many things in our lives. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur. You know, beloved to the Lord. On avait mis notre thème pour nous allons parler de la puissance de la résurrection. Our topic will be the power of the resurrection. La puissance de la résurrection. The power of the resurrection. C'est quoi la résurrection? What is resurrection? Vraiment, nous allons essayer un peu de parler sur ça. We will try to speak about it. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Because there are many people. Qui parlent juste de la résurrection. That just speak of resurrection. Tu vas voir quelqu'un. You go see somebody. Ici, il dormait où? Where they are sleeping. Il se réveille, il dit automatiquement, je suis Dieu. And they say, I am God. J'étais là-bas au ciel. I went to heaven. I saw Abraham. And I saw Jesus. Alors moi, je me pose des questions. And I asked myself questions. J'étais dans les comas. Were you in coma? Tu as vraiment vu Jésus? Or did you actually see Jesus? Parce que lui, Jésus que nous prêchons. Because the Jesus that we preach. N'est pas ce que toi tu as vu là-bas. It is not the one that you saw. Parce que Jésus que nous prêchons. But the one that we preach. Toute la gloire c'est à lui. All the glory is to him. Mais toi tu es venu. So when you dites que c'est toi le Jésus. And you say that you are that là, Jesus. Automatiquement il faut croire que bien then automatically beloved you need to know. Qui tombe dans des comas. That you are falling in ICU, or you are falling in a dream, and then you say that you saw Jesus. Comme un autre aventurier, as another crook person, il a dit, c'est comme si il a vu ici, c'est Samuel. He said that he saw Samuel. Alors moi, je me pose des questions. I ask myself questions. Samuel. Il était blanc. Was he a white man? Il était noir. Was he a black man? Comment était? Il était vieillard. Was he an old man?
Donc je ne comprends pas. I did not understand. Il faut comprendre que tout ça, ce sont des illusions. You need to understand that everything is illusion. Tu commences seulement à penser. Illusions that you start thinking. Ne sois pas paniqué devant quelque chose. Do not be panicked in front of such things. C'est pourquoi nous sommes là comme un alarme. Hence we're here as a sign of an alarm. Yeah. Juste pour que tu puisses faire attention. So you may be paying attention to de telles choses. To such things. Vraiment, je veux un peu comme un bon enseignant. As a good teacher. Je veux un peu reculer. I will go backward. Pour parler un peu de la montagne. A little bit to speak about the vous mountain. Savez, j'ai été béni lorsque les bien-aimés avaient parlé de la montagne. You know, I was blessed when our beloved preached about the mountain. Amen. You know, beloved to the Lord. Vous devez savoir quelque chose. You need to understand something. Si dans les temps anciens, if in the old times, ils partaient dans les montagnes, they were going up the mountain, sache les bien-aimés, les montagnes a déjà pris les pieds. You know, beloved, that mountain les montagnes n'est feet. Pas ce que tu pars là-bas pour monter. The mountain is not where you go to climb. Je pars aux montagnes pour prier. Or I'm going up the mountain tu to pray. Quelqu'un avec une courage là. You see somebody with a lot of courage. Il dit que comment là-bas au Kinshasa on parle ça de mangenye. Like in the Congo, they call the mountain mangenye. À Uganda, j'oublie encore le nom, on appelle ça juste mountain. And in Uganda, they call it just mountain. The mountain. Et puis les gens partent là-bas. People go up that mountain. Et ils croient que c'est là que je suis. And they believe that's where non, Jesus si is. Non, si dans votre pensée, tu penses que c'est là que je suis. If in your mind, you think that Jesus is, that means you are going parce against the word of God. Because the mountain, à qui on peut lever notre Dieu, to where we can lift our hearts, c'est le Seigneur Jésus lui-même. It is the Lord Jesus. Parce que lui-même, il a vu que because himself is si all je right, reste juste là, if I remain just là, il y aura d'autres gens qui n'auront pas les moyens pour venir ici. Others will not have the means to come up here. Lui-même il a dit ceci. So himself is saying this. Il s'est dépouillé. He removed himself. Il était une grande montagne. Whom he was il a great mountain. Dépouillé. He removed himself. Il s'est fait une chair. He made himself flesh. C'est ce qu'on appelle le Seigneur Jésus. This is what we call the Seigneur Jesus Christ. Jésus est venu auprès de Jésus. Jesus Christ came pour to lever me. Les yeux vers les montagnes. So we can lift our eyes to the mountain. Himself will ask you, what do you need? Amen. Vous savez, mes bien-aimés, you know, Lord, je vais vous dire quelque chose. I'll tell you something. Vous savez, lorsque Salomon, you know when Solomon, il peut maintenant, il va chez l'Éternel. He goes to the Lord. Yahweh, je vais diriger ce peuple. Yahweh, I want to lead those people. Je vais diriger ce peuple. I want to lead those people. Alors je veux que tu me donnes la sagesse. So I want you to give me wisdom. Je veux que tu me donnes la sagesse. I want you to give me wisdom. Yahweh lorsque il a donné la sagesse à Salomon. When Yahweh gives Solomon parce que wisdom, Salomon a fait ce qui était bon à ses yeux. It is because he did something si that was Salomon good for his eyes. Ce qui est contraire à if Solomon was doing the contrary, Yahweh was he wasn't going to give him what he wanted. So that means what? Toi, tu m'as demandé la sagesse. Because you've asked me wisdom. Mais là, je vais te faire grand. Now I'll make you great. Il faut savoir les cibles. Because you need to know what to follow. Juste blah, 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 blah. Don't just follow anything. Vous priez, vous ne recevez pas. You are praying, you're not receiving. Because you're praying wrongly. Comment fais-tu? How can you? Toi, tiens douleur au pied. You are painful. Mais toi, tu vas qu'on te donne, tu les donnes pour la tête. But you are asking for something in your head. What is the problem? Yahweh, donne-moi les enfants. Yahweh, give me children. Donne-moi les enfants. Give me children. Tu n'es pas marié. You are not married. Pourquoi tu demandes les enfants? Why are you asking for children? Comment est-ce que tu vas avoir cet enfant? How can you have those children? Oh Yahweh, je veux les maris. Yahweh, I want a husband. I want marriage. Comprenez bien, understand what j'ai toujours dit.
Vous les sœurs ne croyez pas que les frères n'ont pas besoin de mariage. Don't think the brothers don't need marriage. Amen. Les frères aussi ont besoin de mariage. Brothers need marriage as well. Amen. Ils veulent que lorsqu'il est là-bas avec sa femme, they want to be comfortable with their wife. Là, les hommes aussi ont besoin they de want ça. To feel that honor as well. Ne crois pas que c'est seulement pour toi la sœur. Do not believe it's only for you. Pour les frères aussi. Also for the brothers je as well. Je dis parce que moi aussi je suis le frère. I'm telling you because I'm a brother moi, as well. Moi, je vais aussi, je vais faire une grande mariage. I also wanted to have a great wedding. Parce que ça sera la fin. That will be a good thing to do. Hein? C'est ça. Yes, that is. Mais là, toi, tu demandes le mariage. So you're asking for marriage. Au moment où votre comportement n'est pas encore changé. What is your behavior hasn't changed? Change d'abord votre comportement. Press the change avant de demander le mariage. Before asking for marriage. Amen. Votre comportement est sale. Your behavior is dirty. Si tu parles quelque chose, les gens vont fuir. If you speak something, people run. Et là, tu demandes des mariages. And now you ask me for marriage. Tu crois que cet mariage va là-bas rester? Do you believe that marriage will last? Vous ne savez pas que le mariage. You don't know that marriage. C'est entre aimer. It is between loving. Et obéir. Amen. And then obeying. Toutes ces choses marchent ensemble. Those two things work parce together. Que tu ne peux pas obéir sans you avoir aimé. You cannot obey without loving. Tu ne peux pas aimer sans avoir obéi. You cannot obey also without loving. Pour dire que ces choses marchent you ensemble. Those two things work together. Tu obéis. You obey. Toi comme femme parce que tu as obéi. Because femme, the Bible says, obéissez à vos maris. Wife obey your mari husband. And your husband love your wife. Parce que si je ne t'aime pas, because if I don't love je you, ne serai pas obéissant. I'll not be able to obey to you. Si nous sommes obéissants à la parole de if Dieu, if we obey to the word, parce que nous aimons Dieu, it is because we love God. Amen. Si tu vois quelqu'un qui marche contraire à la parole if de Dieu, if you see somebody walking contrary to the word of God, il est en train de chanter. You must understand that he's saying, I love God, I love God, but he never loved God. Il n'a jamais aimé Dieu. He never loved God. Aimer Dieu, c'est comment? Loving God c'est is what? Être obéissant à la parole de Dieu. Obey to the word of God. Je ne dois pas être obéissant juste lorsque j'entre ici à l'église. You must be obedient when you're here. Je suis obéissant. When you're at work, je suis obéissant. You are obedient. Même je suis dans le supermarché. Even at the market, je ne dois pas voler. I should not steal. Parce que je suis obéissant. Because I am obedient. À mon mari. At my husband. Quoi l'amour de Dieu est pour nous. God is for us. Amen. Amen. Donc, parce que l'amour et l'obéissance c'est une chose réciproque. And obedience are something that is reciprocate. Toi commence d'abord à obéir. You start obeying first. Parce que le mari là, because our husband, mari, our husband, est faible. Is weak. Est faible lorsque, is weak. Juste lorsque nous sommes obéissants. When you are just obedient. Lorsque tu obéissant. When you are obedient. Le mari est faible. The husband that is become weak. Quand tu vas commencer à voir les gens te vont commencer à dire. That is what others will be saying. Toi votre mari vraiment. You, your husband. Quelqu'un is not. Toi un homme c'est comme une femme. You are your man. That's like a woman. Vous ne savez pas. You do not parce know. Parce qu'il a trouvé l'amour. Because he has found love. Il a trouvé l'obéissance. He found obedience. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé. That is always why I advise our beloved that are single. Avant de se marier. Before being married. Il faut bien regarder. You need to look well. Parce qu'on ne veut pas, on veut pas avoir beaucoup de gens se réunir. We don't want to have a lot of people gathering. Après trois ou deux jours. After two, three days. Et vous, vous êtes séparés. You are separate. C'est pas une bonne chose. It is not a great thing. Ça va dépendre d'abord des penses. That's a really good experience. C'est pourquoi j'ai toujours dit. That is what I always say. Celui qui se marie mal. The one who get married wrongly. Il ira à l'enfer. Will go to hell. Oui. Si tu maries mal. If you get married wrongly. Non. With a wrong person. You will go to hell. Pourquoi j'ai dit ça? Why do I say you're going to hell? Même si les salaires individuels. Even if salvation is sin. Si l'on veut te compliquer la vie. If men want to complicate your life. Tu seras distrait. You will be distracted. Tu n'auras pas le temps de prier. You'll never have time to pray. Si la femme veut te compliquer la vie. If your wife wants to complicate your life. Plus que tout, car il est dead. Yes. Amen. Oh, a toothache. La Bible nous dit car il est dead. The Bible says the toothache. Pourquoi on l'appelle car il est dead? Why they call it a toothache? Parce que si il veut te compliquer la vie, if you want to complicate your life, you will not have time to pray.
Tu n'auras pas le temps de te concentrer. You don't have time to focus. Il sera de il va voir un gros papa là en train de parler. You see a big man. Il voit un petit enfant. See a young child. And he's saying, my wife went to the police. Tu vas parler à cet enfant. Qu'est-ce qu'il va te faire? You wanna go tell your problem to the young child. Il va voir aussi. Parce que moi, j'ai toujours dit. I've always said this. Parce que moi, j'ai été choisi seulement pour être un homme de Dieu. I was just chosen to be a man of God, or what? C'est le témoignage que je vous donne. The testimony I'm about to give you. Lorsqu'ils étaient encore trop petits. When I was still very young. Il y avait des grandes sœurs. There were bigger sisters. Même de la quartier. Even from the street I grew up in. Si ils ont des problèmes avec leurs amis là-bas. If they had problems or issues with their friends. Ils viennent parler à moi. They come and speak to me about. Alors moi, je suis encore trop petit. Well, yes, I was still very young. Je commence à voir juste la pitié, je commence à me dire. I said to feel sorry for that. Je dis à cette fille. What do I actually tell them? Je ne savais même pas que je vais leur parler. What do I tell them? Parce qu'ils me parlaient des choses, ils m'ont fait ceci. They were telling me what this man did to me. Je n'ai rien à faire. I have nothing to do. Qu'est-ce que je vais faire? What can I do? Oh, l'Éternel nous prépare. What is the Lord was preparing? Être un homme de Dieu. Being a man of God. Tu dois être préparé. You need to be prepared. From your mother's womb. Already from your mother's womb. Ne sois pas là trop pressé. Don't be in a hurry when they tell you. You are a servant of God. Un homme de Dieu. A man of God. Dieu le prépare. God prepares. Comme David. Like David. Pour être roi. To be king. David a passé par des étapes. David went through steps. Toi tu viens juste comme toi. You just come suddenly. Oh, un homme de Dieu. A man of God. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup des impolis. That is why you see a lot of rude people. Les politiciens sont entrés ici. Politicians are ici. Ils cherchent comment faire tomber le pasteur Azam. They're seeking how to make pasteur Azam fall. Le frère Fiston. How to make pasteur Azam fall. Que moi-même to fall. So that the rain is not pas nous. Yeah, the rain is not us. Le rain c'est l'Éternel. The rain is the Lord. J'ai juste de vous lire pour clair ça pour dire ceci. I wanted to clear that to say. Je lève les yeux vers les montagnes. I left my eyes toward the mountain. La montagne est déjà là côté de. And the mountain is already next to you. Il veut seulement que. It just wants you to speak. Parle avec ces montagnes. Speak with that mountain. Si ils vont monter dans les montagnes. If they will go up the mountain. Nous avons une près de nous. We have a mountain next to us. Nous avons pas le temps d'aller au Mangi. We don't have the time to go up to the Mangi. Nous avons juste fermé notre porte. We just have to close our eyes. Nous prions. Yahweh va nous écouter. We pray and Yahweh will listen to us. Mon fils est malade. Even if my son is sick. Si ma femme est malade. Even if my wife is sick. Si ma mère est malade. Even if my mother is sick. Je vais prier ici. I will pray here. Yahweh va écouter. And Yahweh will listen. Il va les localiser. And he will find them. Et c'est la guérison. And they will be healed in the name of Jesus. Amen. C'était ça pour les montagnes. That is what was about the mountain. Ok, aujourd'hui je vais parler de Jésus. So today I will speak puissance about de la résurrection. The power of the resurrection. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur. In all beloved into the Lord, into the tout le temps que je méditais sur ces choses. Every time I meditated about this thing. Je me disais, Yahweh, qu'est-ce que vous voulez que je parle à ton peuple? I was saying, Yahweh, what do you want me to speak to your people? Qu'est-ce que tu veux que je parle à ton peuple? What do you want me to tell your people? Ici, because when we preach here, prêcher, it is not just about preaching. Because the Bible notre says parole, our words, notre parole ne résiste pas seulement à parler. It is not just to speak, la puissance, but with the la power de and the demonstration la of the Spirit. Est là pour changer votre the word is there to change your life. Aussi l'ignorance. To remove ignorance. Amen. C'est ça le problème. That is the problem. Lorsque je méditais pour ces choses, nous allons d'abord. I was meditating. Nous allons d'abord lire. We are going to read. Nous allons d'abord lire. We are going to read. Hey, Sister Sarah, are you there? Yeah. We are going to read. Hey, Sister Sarah, are you there? Yes. We are going to read on Sister Sarah. Are you Sister there? Sarah, can you project? Project. We are in Genesis. Nous sommes dans la Genèse, livre de Genèse. We are in the book of Genesis. Genèse 2. Genesis 2. Verset 8. Verse 8. Est-ce qu'il a fait le prononcer? En anglais. Oui, même en anglais. Genesis 2, verse 8. Yeah. I read in the name of Jesus. Amen. Now the Lord God has planted a garden in the east, in Eden. And there he puts the man he had formed. Je vais lire en français. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé.
Parce que nous parlons de la puissance de la résurrection. Because you speak about the power of resurrection. Quand nous parlons de la puissance de la résurrection, because you speak about the power of resurrection, on ne peut pas parler de la résurrection. We cannot speak of resurrection. Sans qu'on puisse voir la mort. Without seeing death. Si on parle de la résurrection, if we speak of resurrection, c'est mort. That means ou death to death. Cadavre. Oh, there's a dead body. Que nous allons dire que non, il y a la résurrection. That's why we'll say there was a resurrection. Donc, si quelqu'un n'est pas encore mort, that means if somebody is not died, we cannot speak of resurrection. Vous me comprenez très bien. You understand me? Alors, qu'est-ce que nous, c'est pourquoi nous sommes allés prendre cette verset de Genèse. That is why we read the scripture of Genesis. Il a dit ceci. The Bible says this. Yahweh, il planta le jardin d'Eden. He planted the garden of Eden à côté de l'Orient. In the east. Ensuite, il prit l'homme. And then he took man. Il plaça dans le jardin. And he placed him in the garden. Vous comprenez ces choses? Do you understand those things? C'est que ça veut dire que non? It means this. L'homme n'était pas dans les jardins. Man was not in the garden. C'est l'Éternel lui-même qui a pris l'homme. It is the Lord himself that took man. Et il est en train de lui placer dans les jardins. And then he placed him in the garden. Nous avons compris que l'homme que Yahweh place dans les jardins. We understood that the man God placed man in the garden. Dans les jardins. I see the garden. C'est comme si un cimetière. It's like a cemetery. Ah, mais vous me dites, c'est pas ce que vous pensez. Parce que là, lorsque Yahweh le plante là-bas, because when Yahweh planted, Yahweh a voulu planter l'homme. Yahweh wanted to plant man. Jardin, je peux dire à d'autres mots, c'est comme la terre. In other words, the garden means is the earth. Jardin, si c'est comme la terre. The garden means the earth. Et Yahweh veut planter. That Yahweh wanted Yahweh to plant. Yahweh a pris l'homme. Yahweh took il man. Il l'a placé là-bas. And then he placed him there. Lorsque Yahweh le place là-bas, when Yahweh placed him pour there, travailler dans le jardin, to walk in the garden. Pourquoi Yahweh va placer l'homme là-bas pour travailler dans le Seigneur? Why Yahweh put men in there to work? Aujourd'hui, ma bien aimée dans le Seigneur, je vais aller plus lentement pour que tu comprennes que I'll go very slow la puissance de la résurrection, that the power of the resurrection, c'est juste entre les mains du Seigneur Jésus. Only in the hand of Jesus Christ. Personne ne peut dire que non, il peut avoir la résurrection. Nobody can say they can have resurrection. Il n'y a pas la résurrection. There is no resurrection. Sans Jésus. Without Jesus. Pour avoir la résurrection, but in order to get to a resurrection, c'est que nous avons la résurrection. It is in Jesus that we have resurrection. C'est pourquoi Yahweh lorsqu'il prend Adam. That is why Yahweh when he took Adam. Adam comme la graine. I see Adam as the seed. Adam lui qui est la graine. Adam him being the seed. Yahweh dit je ne dois pas laisser Adam. Yahweh said I will not leave Adam je for myself. Adam. I will plant Adam. Je veux planter Adam. I will plant Adam. Maintenant, lorsqu'il l'a taille planté, when God planted Adam, combat, the mission of God was there. Pour qu'il puisse travailler. It was so that he may work. Mais là, je ne comprends pas. But there, I do not Yahweh, lui-même, il a déjà tout fait. Yahweh himself did everything. Qu'est-ce que Adam a fait là-bas? What more Adam was going to do in the garden? Pour qu'il travaille. So that he may work. Amen. Vous me comprenez très bien. You understand me really well. Nous allons comprendre l'écriture. We are going to understand the scripture. Nous allons penser l'écriture. We are going to take the scripture. Tu vas prendre le livre de Matthieu. We are going to take the book of Matthew. Nous allons prendre le livre de Matthieu. The book of Matthew. Nous allons comprendre ce que Yahweh veut dire pour. We are going to understand what does Yahweh mean for us. Je vais lire au nom de Jésus. I will read in the name of Jesus. Oh, Matthieu 13. Matthew 13. Verset 31. Verse 31. And then 32. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain qui s'est levé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Et quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen, amen. Amen. Tu vois vraiment le travail d'Adam. You see the work of Adam.
Tu vois, lorsque Yahweh l'a placé dans le jardin, when Yahweh placed him in the garden, là nous lisons dans le livre de Matthieu, then we read in the book la Bible dit c'est un parabole. The Bible says it is le royaume des cieux, the kingdom of heaven, est semblable à un grain de sénévé. Like a mustard seed. Là nous comprenons que la grain de sénévé, that the mustard seed, c'est Adam. It's Adam. Que Yahweh devait planter. That Yahweh needed parce to plant. Au travers d'Adam, because through que Adam, nous tous nous sommes sortis. He needs to know that, Adam, that through Adam nous tous nous sommes that we all came out from Adam, without Adam we are not going to be here. C'est à lui que la promesse a été dit. He is the one that the promise was given. Go and fertile et multiplier la terre. And multiply the world. Là, nous comprenons que then we understand lorsque that Yahweh prend le, lorsque les paroles parlent, les paroles parlent, la grain de sénévé. When Yahweh took the mustard seed, he said the word of God is like a mustard seed. Bien que notre Yahweh, we see that our Yahweh, le vrai cultivateur, he is a true cultivator. Il y a des cultivateurs sur cette terre. If there are true lovers in this world, we only have one type of cultivator. Everything people are doing now, ce sont des choses à bâtir. Those are the things that are useless. They are not lovers. Parce que nous les villageois, because as from the village, moi, je n'ai pas honte quand on appelle villageois. We are not ashamed when they call nous, me a man from the village. We are from the village. Si tu veux bien enseigner, if you want to teach, il faut être villageois. You need to be from the village. Si tu m'appelles villageois, if you call me a village man, je vais dire oui, je suis village. I will tell you yes, I'm a village. Si tu me dis que tu ne connais pas français, if you say you don't know je French, dis, oui, je connais pas français. I will say yes, I don't know French. C'est pas ma langue, yet French is not my mother language. Ma langue maternelle c'est Lingala et Swahili. My mother language is Swahili and Lingala. Toi tu crois que toi si tu parles un bon français c'est que ce que tu connais la parole de Dieu. You see, you think if you speak good French means you understand both the word of God. Même un fou ici. Even a foolish man on the road. Je passe ici au rideau. I go by a rideau in town. Quelqu'un qui a sa la tête ne marche pas bien. Somebody whose head is not working quand properly. Quand ils parlent l'anglais. When they speak English. Moi-même je suis même. Even myself, I'm. J'aime comment ils parlent. I love how they speak. Pour dire que la parole de Dieu c'est pas en anglais. It means the word of God, it is not in English. La Bible que vous lisez aujourd'hui, the word, the Bible that you're reading now, was not written in English, not French. On a plutôt on a fait les translates si on dit en anglais. C'était transmis. Ok. Traduit, c'était traduit. It was translated. Yeah. La Bible était traduite. The Bible was translated. C'est quoi? Oh, j'ai jamais encore dit c'est quoi. J'aime ça. Maintenant notre Dieu. Now our God. Lui qui est le vrai villageois. Who is the true villager? Le vrai cultivateur. The true laborer. Lui-même qui est le vrai, un vrai cultivateur qui se respecte. The true laborer who respects himself. Lorsqu'il y a le temps de moisson. When there was time to reap. Le vrai cultivateur. The true laborer. Il va prendre un petit morceau de graine. He take a small seed. Ou bien petit morceau de semence. Or take a small seed of pour que l'autre saison. So that the next season. Il puisse encore planter. So he may plant again. Parce que lui, il ne peut pas tout vendre. Because he cannot sell même everything. Si tu viens comment. Even if oh, well, however you come on a fait, him, on a fait un we are cultivateur. A good laborer. Je vais te donner un exemple. I'll give you a good example. Qui plante les blés. Somebody who seeds. À l'état de moisson. In the time of harvesting. Au moment moissonné. When you go to harvest. On va you must not sell on everything. On va laisser petit. You will keep some. Un petit sort quelque chose comme des graines. You will keep some that you harvested. Pour que des pour les prochaines. Pour les prochaines saisons. For the next season. On puisse encore planter. So you may plant again. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur. So beloved je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre. I'd like to tell you something you understand. C'est le Seigneur Jésus qui est the Lord Jesus. Qui est la vraie résurrection. Who is the true resurrection. Vous allez voir que non. Les graines là qu'on a soutirées. You will see that the seed that was planted somewhere. They're going to hide somewhere. Ils vont voir les graines c'est comme si séché. You will see the seed was looking dry. Tu vois pas, c'est comme si hier, tu vois pas, c'est tout séché. The seed all look dry. Peut-être qu'on peut pas aussi manger. That it's not eatable. Oh, lorsqu'on faisait le moisson. But once you were busy seeding. Je peux donner l'exemple de maïs.
I can give an example quand of a maize. Pour le maïs, when you are saving for the maize, c'est un peu facile à manger, c'est aussi sucré. When you are harvesting it, mais lorsqu'on va retirer ça un peu comme les semences, but when you are going to harvest it, un peu ça va encore être trop dit. You realize that lorsque tu regardes ça comme ça, and dry, c'est comme si ça ne peut pas se planter. As you're looking at it, oh, you can not see any further. Why I think that's what you are going to see. There's no a lot hidden into it. But in your true eyes, c'est sec. It seems dry. Can that still give life? Que ça peut encore revenir? Can this seed still come back to life? Nous savons que le Seigneur Jésus, what else we know that the Lord Jesus is the true seed. Lui qui est le vrai semence. Because it's the true seed. Lorsqu'on l'a planté, when he was planted, lorsqu'on l'a planté, when he was planted, il ne devait pas rester là-bas. He could not remain under the earth. He needed to come out. Love it to the Lord. Let me tell you that there were plants that were planted jusqu'aujourd'hui. And he remained under the earth until now. Sorti. That never came out. Vous dire que to tell you that les plantes qui doivent sortir, the plants that needed to come out, celle qui a la vie en lui. It is the one that has life in himself. It is the one that's still keeping life in himself. It is why you're going to see the love of our Jesus Christ. It was complicated. Les gens se demandaient, people were asking themselves, is this really God? Parce qu'il était sec. Because he was dry. Oh, Dieu lui-même savait ceci. Well, God himself knew this. C'est lui la semence qu'il est bien de planter. He is the seed that he came to plant. Nous allons lire cette écriture, une des toutes dernières écritures. We are going to read our last scripture. Ok, nous allons lire cette dernière écriture dans le livre de Jean. In the book of John. Dans le livre de Jean. Pour vous faire comprendre un peu. In the book of John, so you may understand something. Jean 2, verset 19. John chapter 2, verse 19. Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, j'ai trouvé ce temple. En 3 jours, je l'ai relevé. Laissez d'abord ça. Avant de prendre ça, on peut aussi lire ça, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de cette graine-là qui devait venir. Prends d'abord le livre Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, disons le Seigneur. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. La Bible dit ceci. The Bible says this. Quand Dieu a tant aimé le monde, for God so loved the world, comme Dieu il a aimé le monde, because God loved the world, mais il devait prendre les graines. Now he needed to take pour his seed in order to le sow. Fils qu'il sème là, the son that he sowed, lui-même Dieu, it is himself God. Parce qu'il avait besoin que les oiseaux puissent venir. Because he needed the birds to come back. La Bible dit ceci. The Bible says this. Quand Dieu a tant aimé le monde, for God so loved the world, monde que Dieu a aimé, which world did God love? Cette monde ici, this world that we're living in, que nous sommes, que Dieu aime, that God loves, bien aimé dans le Seigneur, beloved to the Lord. Quand vous lisez les Écritures, when you read the scripture, ne lis pas seulement comme une book comme ça. Don't just read the scripture as a normal book, as a novel. Non, il y a des choses cachées. There are hidden things. Le monde que Dieu a aimé, the world that God loves, ce n'est pas tout ce que tu vois ici. It is not everything you see here. Le monde que Dieu a aimé, the world that God loves, ce sont ses enfants. It is his children. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. That is why I tell you that. Parce que j'ai commencé, vous n'avez pas compris. When I started to speak, je you did not understand. I was speaking about obedience and love. Are you there? Amen. Je parlais de l'obéissance. I spoke about obedience et l'amour and love. Or, lorsque Dieu a aimé le monde, God so loved the world qu'il a donné son fils. That he gave his alors, son. Quel monde que Dieu a aimé? So which world did God love? Le Seigneur, love it to the Lord. Il va me dire que les gens qui marchent contraire à la parole who de are Dieu, walking on the contrary of the word of God, aussi son fils pour eux. God also gave his son for them? Non. No. Non.
Non. Ne dis pas ça. Do not say that. Dieu a donné son fils. God gave his son. Pour ceux-là qui sont obéissants. For those who are obedient to the word of God. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu. If you listen to the word of God. Qui est choisi. You are somebody that has been chosen. La sélection. There was a selection. Dieu n'aime pas tout le monde. Because God doesn't love everybody. Dieu donne son amour. God gives his love. À l'obéissance. When there is obedience. Sans l'obéissance. Obedience, il n'y a pas l'amour. There is no love. Si tu n'obéis pas, you don't obey, tu n'auras rien. You will not receive anything. Tu peux avoir des maisons, you may have houses, mais la parole de Dieu, but the word of God, zero. Parce que tu peux avoir des enfants, you may have children, tu peux avoir le mariage, you may have marriage today, mais la parole de Dieu, but the word of God, zero. Zero. Si nous sommes ici, if we're here, ce n'est pas pour le mariage, it's not because of marriage. No. Nous ne sommes pas venus ici. We are not here. Communauté. To become a community, non, nous sommes venus here pour chercher la face de l'Éternel. Seek the face of God. Alors, quelqu'un qui cherche la face so de l'Éternel. The one who's seeking for the face of God. C'est lui le monde que Dieu aime. He is the person that the word that God loves. Ne sois pas étonné. That is what do not be amazed. Lorsqu'on parle de quelqu'un de la parole de when Dieu, when they speak of somebody in the word of God, comment ça veut dire? C'est quoi encore cette parole? Ask yourself, what is again the je word? Je ne comprends pas. I do not understand. Parce que cette parole n'était pas donnée pour lui. Because this word was not given to them. Amen. Cette parole, this word, est venue came juste pour toi. Only for you. Le monde que Dieu appelle le monde. The world God is calling the world. Il te voit toi. He sees you. Il te voit la sœur qui est à côté. He sees the sister next to you. On peut même dire mes bien-aimés. We may even say beloved to the Lord. Vous savez combien de gens sont dans cette monde? You know how many people are in this world? Mais quand il leur parle de la parole de Dieu, but when you don't have the word of God, ils te regardent juste comme ça. When they don't have the word of God, they just la look at you. La parole de Dieu n'est pas venue pour eux. The word of God did not come for them. La parole de Dieu est venue pour ceux-là qui sont ses enfants. The word of God only came for those who are his children. Parce que Yahweh, because Yahweh ne peut pas planter son amour, may not plant his love, dans une pierre, upon a stone. No. Yahweh plants son amour. Yahweh plants his love dans une bonne terre. Into a good land. Si aujourd'hui tu reçois la parole, if today you receive the word of God, c'est toi la semence, la semence de l'Éternel. You are the seed God intended. C'est le Seigneur Jésus. It is the Lord Jesus. Je vais dire ceci. Now I will say this. Toi la terre qui Yahweh veut planter. You are the earth or the soil God wants to plant upon. Tu ne vois pas que non, il y a des péchés là qui te laissent. That's how whether you see those seeds that just leaving souvent, you like that. Il arrive souvent. That times whether de commettre des péchés. You commit certain sins. Mais toi-même, tu te restes comme ça, ça là, je ne peux pas faire. You tell yourself, c'est de votre force. Do you think it comes from your own strength? C'est la parole de Dieu. It is the word of God. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved to the Lord. Il faut toujours venir à l'église. You must always come to church. Venir à l'église est très très important. Coming to church is extremely important. Parce que la Bible dit ceci. Because the Bible says this. Mieux vaut deux than one person. Lorsque tu es à côté de when moi, you are next to me, nous sommes bien serrés. We are tightened. Je ne dois pas tomber. I will not fall. Souvent, most je fais quelque chose. I may be doing something. Si je vois juste, when I see that my brother is here. C'est pas d'être hypocrite aussi. It is not being a hypocrite. Juste à cause de lui, just because of him. Because of his presence, toi, tu peux pas faire ça. I tell myself I cannot do such things. C'est pourquoi il est très important. That is why it's important de venir à l'église. To come to church. Il est très important. It is important de venir à l'église. To come to church. Il y a des autres là, our young sisters. Ils ne prennent pas les grossesses comme ça. They don't just get pregnant anyhow. Ils se protègent. They protect themselves. If I fall pregnant today, then the whole church will say, but toi aussi, tu and you too. Mais non, c'est ici, c'est but our sisters here, they protect themselves and say, I'm working for the health of my men. Even our beloved brothers, pourquoi? They do the same thing. Why? Parce que nous sommes unis. Because we are united. Ce n'est pas que tu es hypocrite. It is not your being hypocrite. C'est votre frère. It is because of your brother. Un enseignement pour toi. It's more like a teacher for you. Because the Bible nous says des lampes. We are lights. Comme nous sommes des lampes. Because we are light. Des lampes, c'est un peu compliqué. You know that the light is a bit complicated. Les lampes, c'est comment it may happen that the light is about to dim out. Mais
Mais lorsque tu vois encore quelqu'un à côté de when toi, you see somebody next to you, it éclaire, it they lighten you up. Alors nous allons ensemble. And then, yeah, let's go together. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved to the Lord. Les semences qui devaient être plantées. The seed that needed to be planted. Sur cette terre. It is not on this earth. Qu'on parle ici. The earth they speak of. Toi, it is frère. You, my brother. C'est toi, ma sœur. It is you, my sister. Et puis qui est planté à toi? What c'est is planted le Seigneur in you, Jésus. It is the Lord lorsque Jesus. Lorsque le Seigneur Jésus est planté. When Lord Jesus is planted himself. Lorsque tu reçois les semences qui sont la parole de Dieu. Seed, which is the word of God. Tu vas être différent des autres. You'll be different from others. C'est pourquoi tu vas voir que lorsque Marie et Martha. Lorsqu'ils se sont rencontrés. When they met. La Bible dit ceci. The Bible says this. Les enfants étaient déchaillis de joie. The children were happy. Haven't you heard the word before? Vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut chercher ça? Can somebody say that word for me, please? Cherchez ça. Lorsque Marie et Marthe se sont rencontrés, ensuite les enfants, la Bible dit ceci, les enfants étaient tressaillis de joie. C'est quoi? C'est de laquelle? Hey. Ok. Then leave this. Luke chapter 10. Bien aimé, puisque Luke 10, 18. Luke chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. Ça c'est trop. C'est Marie et Elisabeth. C'est encore trop loin là, ici Jésus est devenu. Oh, tu veux voir ça ici. Tu veux voir ça ici. Chapitre 1, verset 41. Ok. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie de sagesse. Amen, amen. Amen. Vous savez ce qui a fait tressaillir? You know what made you move? Les mamans qui étaient là. The mothers that were there. Ils commencent à voir les enfants, commencent à voir. They started to feel that the children were moving. What's causing it? C'était la semence. It was the seed. Bien planté dans une bonté. Well planted in the good land. Qui a Jésus à lui? It is somebody who has Jesus. Il doit être différent. Need to be different. Pourquoi vous nous voyez lorsqu'on se rencontre nous entre les frères? That is why you see when we see each other in la joie. We are always happy. On ne peut pas se combattre. We cannot fight each other. Les enfants qui sont dans nos bras. Because the children are in our room. Ils sont collés. They are together. Ils se disent que celui-ci c'est mon frère. They say this is my brother. Nous sommes dans la joie. We are in heaven. Si tu vois quelqu'un qui critique, somebody be criticized. Critiquer son frère. Il faut comprendre que les enfants ne sont pas bien. You must understand that the children are not good. You need to verify the womb. Jesus and John the Baptist. La Bible voulait toujours nous dire ceci. The Bible wants to tell us l'ancienne alliance, old covenant, et la nouvelle alliance, and the new covenant, lorsqu'ils sont ensemble, when they are together, il y a toujours la joie. There's always joy. Amen, amen. Amen. Lorsque tu prêches, when you preach, ils doivent prendre l'ancienne alliance, you need to take the old covenant, tu prends la nouvelle alliance, and you take the new covenant, et tu le maries, and you marry together. C'est ce qui donne la prédication de Dieu. What gives the preaching belongs to the Lord. C'est pourquoi tu vas voir que là, that is why you'll see that. Lorsque tu vois quelqu'un qui te critique toujours, somebody is always criticizing you. Et les hypocrites sont comme ça. Hypocrites are like that. Lorsqu'ils te voient, when they see you. I love you.
What is your problem? Même si j'ai pris un crédit, even if I took on credit, what is your problem? C'est pourquoi les hypocrites that is why hypocrite people suffer. Quand les gens me critiquent, I love when people criticize me. Pas, je suis un péché. When I'm not criticized, I become parce accountable. Quand on me critique, because when I'm criticized, je suis dans les bonnes, positions. I'm on the good path. Là, je comprends que non, Jésus est dans mon côté. They understand that Jesus is on my side. Pas quelqu'un qui non, même si vous me critiquez. Don't be somebody that even dans les péchés, on va te critiquer. If you are in the sin, you will be criticized. C'est vrai. Yes. Ne nous dis pas que non, non, je suis innocent. Don't say I'm innocent. Tu n'es pas innocent. You are not innocent. Tu es comme ça, comme on dit de toi. You are as you are being criticized for. Pourquoi me bien-aimé dans le Seigneur? That is why, beloved to the Lord. Ne quitte pas l'église. Do not leave the church. Parce qu'on t'a mal parlé. Because they spoke to you badly. No. Ce n'est pas ça. That's not the reason. Parce que ce ne sont pas eux qui t'ont racheté. Those are not the ones that were rachetés par le sang précieux. You will be called by the blood of Jesus Christ. C'est pourquoi j'ai voulu vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. That is why I want to tell you, beloved to the Jesus. Juste pour aller, pour qu'on puisse se mettre debout pour la prière. Before we can stand up for the prayer. Je voulais dire ceci. I want to say this. Le Seigneur Jésus. The Lord Jesus. C'est lui la semence. He is the seed. Qui devait être planté. That needed to be planted. Pour qu'il revienne encore à vie. So he may come back to life. Si Jésus est revenu en vie. If Jesus came back to life. Parce qu'il avait la vie en lui. Because he had life within him. Vous allez voir. That is all I'm going to see. Qui nous ont appelé des grands prophètes. The prophet that they called the great prophets. Lorsque nous grandissons. When we are growing up. On écoutait des noms. We were listening to names. Des gens. Of great men. Je ne vais pas vous choquer. I will not shock si you. Tu croyais à ce Dieu-là. If you believe to their God. J'avais quand même cité les noms. But I'll simply mention names. Que tu sois un peu. So you may be delivered. J'ai écouté des balébongés. I heard about balébongés. Depuis qu'ils sont morts, ever since he died, ils sont restés là-bas. They died, they never resurrected. Le Dieu de Cicatenda. I heard about the God of Cicatenda. Ils sont morts, ils sont ever since là-bas. He died, he never resurrected. La seule personne qui est passée the par la only mort, person who went through death and resurrected, c'est le Seigneur Jésus. It is only Jesus Christ. Le Seigneur. Beloved to the Lord. Crois pas un pasteur. Don't believe to a pastor. Crois pas un prophète. Don't believe to a prophet. Crois pas un docteur. Don't believe to a doctor. Seigneur Jésus, but believe to the Lord Jesus, and you will be saved. Salvation, c'est toujours en Jésus. It is only within Jesus. Pour vous dire que, to tell you that, si tu crois moi aujourd'hui, if you believe to me today, demain je vais mourir. Tomorrow I might die. Je peux aussi tomber. I may fall. Toi aussi tu vas tomber. You may fall as well. La Bible dit ceci. The Bible says si this. Un aveugle, if one blind person conduit l'aveugle, is leading the other blind man, they will end up in the hole. Nous avons besoin de quelqu'un qui voit. But we need somebody that can see. Quelqu'un qui voit. Somebody that can see. C'est le Seigneur Jésus. It is the Lord Jesus Christ. He is the seed. Que lui-même le Seigneur a planté. That the Lord himself planted. Quand j'ai parlé ceci. As I was saying this. Our God. C'est lui le vrai cultivateur. He is a true laborer. Lorsqu'il a retiré. When he removed a bread of the seed. S'il gardait ça. If you are skipping it, on n'allait pas être en vie. We're not going il to be alive. Planter ça. He needed to plant alors it. Les plantes, la semence que Yahweh a planté. For the seed that Yahweh planted. Le Seigneur Jésus. It is the Lord Jesus Christ. Vous allez voir ceci. That is why you're going to see. Le Seigneur Jésus disait ceci. Our Lord Jesus was saying this. L'esprit ça s'est destroy this temple. En 3 jours. In 3 days. Je vais la construire. I will rebuild it. Pourquoi 3 jours construire? Why 3 days to rebuild? Là, les Écritures nous disent ceci. The scripture says that il parlait de son corps. He was speaking of his body. Si vous lisez dans le livre de Jean, if you read in the book of John, dans le livre de Jean 19, John 19, verset 20, verse 20, je peux lire dans le nom puissant de Jésus. I may read in the name of Jesus. Et Jésus l'a répondu. And Jesus replied to them. Détruisez cet homme. Destroy this temple. En 3 jours, je le relèverai. In 3 days, I will rebuild it. Les Juifs diront. The Jew replied. Il allait fallir 40 pour bâtir ce temple. It took 40 years to build this temple. Et toi, tu dis, and you are saying, dans 3 jours, in 3 days, tu le révèleras. You will rebuild it. Ensuite, quand tu descends dans le livre, dans le verset 21, when you follow further on the verse 21, juste déjà,
Jean 2, verset 21. John 2, verse 21. La Bible dit ceci. The Bible says this. Il parlait du temple de son corps. He spoke about the temple of his body. Nous avons compris que then we understand that. Lorsque Jésus disait, when Jesus spoke, he destroyed his temple. Oh, détruit le temple. What has destroyed the temple? Was not a seed planted on earth. Là, vous allez voir que non, c'est fini. You will see that it's finished. Vous-même, vous allez voir que non, lorsque Jésus était mort, you start to go to see that when Jesus died, the disciples will say, oh, he's gone. Oh, lui-même, il savait. Well, it's himself in you. Troisième jour, on the third day, il va encore ressusciter. He will be resurrected. Le jour de la résurrection. So on the day of resurrection, c'était aussi mon jour. It was also a joy. Notre problème n'était pas seulement que non, our problem was not just for Jesus to die. Problème était qu'il but our problem was for him to be resurrected. Parce qu'il y a des gens, des prophètes qui sont morts. Because there have been prophets qui sont restés who died là-bas. And remain dead. Mais le seul le Seigneur Jésus. But only the Lord Jesus qui est passé par la mort. Who went through death à la vie. To life. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la puissance de la résurrection. That is why today we speak about the power of resurrection. La parole que nous prêchons aujourd'hui. And the word that we preach today. C'est juste la puissance de la résurrection. It is only the power of resurrection. S'il n'y avait pas la résurrection. If there was no resurrection. On n'allait pas être là. We were not going to be here. Nous sommes là aujourd'hui. If we are here today. C'est grâce à la résurrection. It is through the grace of resurrection. Et puis nous aussi, on peut aussi frapper la poitrine. And as we can boast and pat our chest. Mort, où est ta force? Death, where is your strength? Mort, où est ta force? Death, where is your strength? Je ne parle pas de la mort charnelle. I don't speak about the death parce of the flesh. La mort charnelle peut nous trouver. Because the fleshly death can n'importe quel can attend to us at any time. Nous ne savons pas l'heure. We do not know the time. Qui peut nous trouver? The hour of which mais may come. Le problème est que but our problem is we are going to relieve parce que c'est ça la promesse. The promise of God. La puissance de la résurrection. The power of resurrection. C'est le Seigneur Jésus Christ. It is the Lord Jesus Christ. Wow, Seigneur Jésus bien-aimé. We love it. Believe c'est lui qui a la puissance de la résurrection. He has the power of resurrection. Lorsque notre sœur passe devant pour chanter à l'honneur de l'Éternel, when our sister will come forward, nous allons nous mettre debout. We are going to stand up. Nous écoutons la cantique. Nous allons nous mettre debout pour la prière. We are going to stand up for the prayer. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur. You know, beloved to the Lord. Je veux vous dire quelque chose. I want to tell you something. Je veux que tu sois là, tu puisses prier. I want you to be here and pray. Afin que Yahweh puisse entrer dans votre cœur. So that Yahweh may enter into your heart. Que tu sois une bonne terre. So you may be a good land. À laquelle tu as la semence, que tu peux recevoir la semence de Dieu. And which you may receive the seal of God. Parce que c'est toi le monde que Dieu attend. Because it is you that the world has died not so much. Tu es obéissant à la parole de Dieu. If you are obedient in the word of God. Yahweh a donné aussi son amour. Yahweh has given also his love. Naza komata ngai, ngana za komata.